C'était le 13 juin de l'année, je me rappelle ce fameux 13 juin. Et alors, on s'est toutes retrouvées le matin, on a donc, après la messe, on a changé de costume, on s'est toutes retrouvées à la grande salle. Et le vicaire apostolique, qui était justement Monseigneur Roncalli, qui allait devenir Jean XXIII, était donc là. Et il avait dit qu'il venait chez nous pour nous encourager mutuellement, parce que lui aussi, il n'était pas reconnu. Donc, il était vicaire apostolique, il devait absolument se mettre aussi en Pékin, comme on disait à l'époque. Alors, quand on regarde, on riait d'un œil et on pleurait de l'autre. Quand on voyait les autres, on riait, c'était tellement comique, c'était pas du tout réussi. Et quand on se voyait soi, on pleurait sur soi. Nous le savons, l'amour est plus fort que la mort. Le lien d'amitié profonde que nous avons noué ensemble dans la joie a valeur d'éternité joyeuse. Aujourd'hui, il vous est encore une fois dérangé pour moi. Mon âme et mon cœur sont tout près de votre âme et de votre cœur. Dès mon entrée en religion en 1931, je me suis confiée corps et âme à la Vierge pour qu'elle me garde fidèle. Elle l'a fait et comment? Remerciez-la avec moi. Yalla en avance, c'est passionnant de vivre en amour. Votre Emmanuel qui garde chacun et chacune de vous dans son cœur.